Dans ce nouveau numéro d'Initiative, nous allons à la rencontre des associations qui ont décroché le label régional Mon Archipel, Mon Environnement. Avant de partir, j'ai de jeunes créateurs d'entreprises qui ont eu le courage de tenter l'aventure. Le dispositif Mon Archipel, Mon Environnement accompagne les associations dans la mise en œuvre d'actions en faveur de l'environnement et du développement durable. En fait, c'est l'association Verette.com. Nous sommes une association environnementale et ce que nous faisons ici, c'est de mettre en valeur les plantes du jardin créole. Alors, ce jardin est destiné aux écoliers, aux collégiens et aussi au tout public. Ensuite, il va y avoir des informations sur les plantes, les propriétés et les regarder, les toucher pour ne plus se tromper. L'association a un rôle de partage, de préservation et de valorisation. Notre savoir traditionnel, nous éditons grâce à Mon Archipel, Mon Environnement, un manuel qui permet à tout un chacun de faire des produits naturels à partir des plantes du jardin. C'est aussi cette mission de partage sur nos valeurs anciennes. Et le conseil régional, à travers Mon Archipel, Mon Environnement, nous a justement aidé à valoriser, à faire des recherches et à publier les données aux membres. Parce qu'il faut savoir que nous avons quand même un club de 200 à 250 membres. Donc justement, chaque année, Mon Archipel, Mon Environnement, ce ne sont pas des sommes exorbitantes, nous ne sommes pas dans cet esprit mercantile, mais avec les moyens qu'ils nous offrent, on arrive à proposer des ateliers aux gens, des fois ils sont gratuits, et chaque personne arrive à faire 3 ou 4 préparations de soins primaires. Nous nous sommes ensuite rendus à la maison de la mangrove, à la rencontre de l'association Zier à Mangrovela, dont la vocation est de mieux faire connaître les zones à mangrove. Et pour capter l'intérêt du grand public, elle a tout simplement créé une exposition. Cette exposition est l'un des outils qui nous permet d'amener la connaissance à tous. D'abord, la connaissance de ce milieu humide à mangrove, que les gens n'aiment pas trop, n'ont pas trop aimé au cours de l'histoire. Nous avons proposé une exposition itinérante, interprétative, qui montrerait surtout aux élèves de l'école que la mangrove n'existe pas uniquement en Guadeloupe. Elle existe aussi dans les Antilles, elle existe dans les Caraïbes et dans toutes les îles et les continents qui se trouvent entre les deux tropiques. D'autant plus que cette exposition qui sera gratuitement prêtée à toutes les écoles de la Guadeloupe, de l'archipel, toutes les médiathèques, toutes les associations, toutes les collectivités. La première fois qu'on a cité Mon Archipel, Mon Environnement, et nous étions très contents de constater que, premièrement, notre exposition, notre projet avait été retenu. Voilà, c'est un grand honneur pour nous. La première partie est dédiée au jeune public. On y découvre des puzzles sur la faune de la mangrove, des lotos sur les particularités des zones humides, des dominos sur le thème des crabes, des oiseaux et des plantes. Tous ces jeux ont entièrement été créés par les membres de l'association. Partie exposition et qui est plus générale et qui commence ici. Ici, nous avons 14 panneaux. On a voulu montrer en deuxième partie que c'était très important pour les sociétés humaines du monde, avec tous, c'est pas seulement la Guadeloupe. Et ça, c'est-à-dire quand il y a des groupes d'élèves, c'est pour faire la visite guidée et pour expliquer qu'est-ce qu'est la mangrove, qu'est-ce qu'on trouve dans la mangrove et pourquoi il faut prendre soin de la mangrove, en fait. Ils sont très intéressés parce qu'ils arrivent ici, se trouvent dans un milieu complètement naturel et donc ils ne voient pas ça tous les jours. Donc c'est vrai, ils nous posent beaucoup de questions au niveau de la flore, la faune. Les associations sont pour la collectivité des relais incontournables qui portent les messages auprès de la population et créent une véritable dynamique locale en plaçant le citoyen au cœur des projets. Alors Mon Archipel, Mon Environnement est intervenu donc dans les années 2009-2010 pour participer donc en fait à un projet qui s'appelait Graines Guadeloupe. Et on a eu l'idée donc de créer une pépinière avec 12 variétés différentes de plants, des arbres ornementaux, mais également donc des arbres de milieu naturel, et qui seraient donc voués à être replantés. La région donc a financé ce projet à hauteur de 6 000 euros. L'association s'est installée à la Sylvatec, à Gourbert, mise à la disposition par l'ONF pour faire grandir leurs plants et assurer ses multiples activités d'éducation à l'environnement. Puisque nous avons nous-mêmes la vocation de devenir centre d'éducation au développement durable avec le label CPIE, par rapport à ce projet, Mon Archipel, Mon Environnement nous a soutenus aussi pour faire l'acquisition de supports pédagogiques tels que des ouvrages, des DVD, des supports multimédia, mais également créer nos propres supports
donc des affiches notamment, des affiches pédagogiques sur, qui traitent donc de notre culture, de nos animations, qui sont des supports pour nos animations spécifiques. L'association peut se voir attribuer une subvention équivalente jusqu'à 80% du montant de son projet. Depuis le lancement de cette opération en 2006, 181 dossiers ont reçu le label régional. Dans le domaine de l'éducation, la région va encore beaucoup plus loin, car elle accompagne aussi les publics en difficulté avec ses écoles de la deuxième chance. L'endroit est modeste, l'installation aussi, mais l'homme qui s'exprime devant nous nous explique combien il est motivé et engagé dans son projet d'élevage de volailles. J'ai créé une volière, mais en plus, je fais ce qu'on appelle aussi des fruits et légumes bio. À la tête de sa société, Jean-Philippe garde le cap et s'appuie sur son associé Karine Delannay pour la partie commerciale. Et du coup, j'ai fait entrer 150 volailles. J'ai commencé à le faire non déclaré. Mais après, je me suis dit que comme ça fonctionne, et avec tout ce qu'on entend par des bactéries, des trucs comme ça, donc il vaut mieux être déclaré, monter une entreprise et ensuite et travailler dedans et essayer de voir satisfaire les 20% de produits locaux en Guadeloupe. Monsieur Amassin avait un projet, c'est vrai qu'un projet qui était très intéressant au départ, un projet qui l'a conforté lorsque nous sommes allés au salon des entrepreneurs à Lyon l'année dernière et qui s'est conforté. Il a vraiment tissé un réseau autour de lui qui lui permet aujourd'hui, malgré les difficultés en termes de foncier, en termes de financement, de continuer et de croire encore en son projet. Et c'est en ce sens qu'il est important encore et encore de les accompagner. De faire une production bio, c'est mieux adapté à un type de population. Donc il retourne vers les productions bio. Et moi, je fais ça pour me démarquer par rapport à ce qui existe déjà. Donc, ce qui arrive, c'est 90% de bio et 10% d'industriels. Il souhaite passer à 500 poules et étendre la commercialisation auprès des magasins bio. Cet esprit d'entreprendre, il l'a acquis à l'école de la deuxième chance. Donc je suis entré à l'école régionale de la deuxième chance en 2013, en janvier 2013. Et j'ai terminé en 2014. Mais avant d'en arriver à l'école régionale, j'avais déjà fait aussi la formation agricole pour pouvoir obtenir la qualification agricole. Je retourne régulièrement voir la directrice, ma référente et tout. Maëva Jourson a une formation de styliste prothésiste ongulaire, spécialité 3D. Elle part se former en 2012 et à son retour prend contact avec l'école de la deuxième chance à Saint-Claude. Puis la RDC m'a fait avoir une opportunité pour créer mon entreprise avec Emergence Plus qui m'a suivi tout au long de ma formation et pour m'aider à faire mon business plan et mon contrat administratif avec les démarches administratives aussi. Je fais mon entreprise en 2015. J'exerce chez moi en attendant l'ouverture de mon local. Alors, chaque fois, on va dire, il me manque quelque chose, je suis en contact avec ma formatrice, je l'appelle, je lui demande certains renseignements. Elle me dit, où est-ce que je dois m'orienter, et voilà, je fais mes affaires. Quand elle a fait sa formation, effectivement, pour créer dans son entreprise, donc je me suis dit, c'est une opportunité pour elle, dans la mesure où elle avait déjà déposé plusieurs CV, elle n'avait pas de réponse ou alors des réponses négatives. Donc là, c'était une opportunité pour elle pour créer son entreprise, donc pour ne pas rester là dans la loisivité. Maëva m'a laissé un très beau souvenir parce que Maëva avait deux problèmes. Maëva était en situation de grossesse, mais elle n'a voulu à aucun moment que cela soit ni un handicap, ni un frein dans son parcours. Et elle y est allée. Elle a accouché peut-être 2 jours avant la soutenance. Oui, 2 jours avant la soutenance devant le jury de professionnels, mais elle était présente, elle était à l'heure, elle a soutenu son projet et elle continue encore son activité. Donc voilà, pour moi, ce sont des exemples comme ça de réussite. De jeunes Guadeloupéens ambitieux qui prouvent chacun dans leur domaine de quoi ils sont capables, comme Carlton. Avant d'entrer à l'école de la deuxième chance, j'étais au CFA, j'ai passé mon CAP de plomberie et après, j'ai travaillé.
Et comme je voulais ouvrir mon entreprise, et j'ai entendu parler comme à l'école régionale La Deuxième Chance, ils allaient ouvrir une partie créateur d'entreprise. Et je me suis inscrit pour ça. La formation a duré à peu près un an et demi. En sortant de l'école régionale La Deuxième Chance, j'étais prêt parce que j'ai ouvert mon entreprise pendant que j'étais à l'école. C'est intéressant de passer par l'école La Deuxième Chance parce que quand on veut créer, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Et à chaque fois, il faut payer. Tandis que quand on va à l'école, il y a tout. Il y a tout qui est là pour nous. Il suffit de demander, quoi. Non seulement l'école suit ses jeunes entrepreneurs sur le terrain, mais elle les soutient en sollicitant leurs services. Autant parce que bon, moi, en tant que plombier, je travaille pour eux aussi. Donc quand ils ont des dépannages et tout comme ça, ils m'appellent et je viens pour réparer. L'entreprise évolue bien. Je suis élargi un petit peu, je fais de la plomberie, je fais des microstations, chauffe-eau solaire. Donc ce qui fait que bon, je ne peux pas tout faire tout seul. La difficulté que moi j'ai, c'est pour trouver des jeunes pour travailler avec moi sur les chantiers. Parce qu'il faut voir aussi que moi, je suis très exigeant. La collectivité ne veut pas laisser de jeunes sur le carreau et leur tend la main pour une seconde chance. Nombreux sont ceux qui la saisissent.